Eh bien, ça fait longtemps, hein. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille, on va comparer la puissance de deux arbalètes à répétition. Donc ça, ce sont deux arbalètes qui possèdent un chargeur de 5 et 6 coups. Elles ont deux puissances qui sont très différentes et on va un petit peu comparer, voir ce que ça vaut. On a d'un côté l'AR6 Stinger 2, donc une petite arbalète avec un chargeur de 6 coups, type arme de poing, donc qui est très légère, vraiment très très légère, très maniable, très facile à armer parce qu'en fait, elle fait que 35 livres. Donc 35 livres, le problème c'est que comme ce sont des unités datardées, parce que ce sont des unités anglaises, ça veut rien dire. Et du coup on va essayer de voir un petit peu ce que ça vaut concrètement sur différentes cibles. Et de l'autre côté on a la fameuse Cobra Adder, dont j'ai déjà fait une vidéo complète dessus, qui fait 130 livres, qui est donc beaucoup beaucoup plus puissante, mais qui par contre est quand même beaucoup moins maniable. Beaucoup moins maniable, beaucoup moins pratique à se déplacer avec. Pour ces tests je vais les faire avec des carreaux de chasse, donc comme ça, avec des pointes que t'as pas envie de te prendre. Celles de la 35 livres sont beaucoup plus petites et celles de la Adder font beaucoup plus grand. Mais faut quand même noter que ça reste quand même très petit pour des carreaux d'arbalète. Mais bon, étant donné que ce sont des arbalètes à répétition, c'est normal. Et ensuite, pour compléter le test, je vais tester aussi avec une 22 long rifle pour voir un petit peu ce que ça donne, du coup, la puissance d'une arbalète par rapport à une 22 long rifle. Donc je vais commencer par utiliser un vieux gilet tactique sans rien dessus, juste pour voir si déjà ces arbalètes sont capables de transpercer du tissu un petit peu épais. Surtout la 35 livres, pour être honnête, je ne sais vraiment pas du tout ce que ça vaut comme puissance. Ensuite, je vais utiliser des bouteilles d'eau. Donc la bouteille d'eau, c'est un petit peu la référence en termes de test balistique, hein, avec les mid-target et le gel balistique. Mais devant la bouteille d'eau, je vais mettre 4 couches de tissu pour stimuler un vêtement, quoi. Et enfin, dernier test, ça va être un test de pénétration pure dans du papier. Sachant que le papier, c'est un test qui est très très dur, parce que lorsqu'on fait du tir à sec avec des armes de poing, très souvent on dit de mettre une ramette de papier derrière, parce que c'est quelque chose qui arrête assez bien les balles. Mais c'est vrai que comme là, ce ne sont pas des balles, mais plutôt des petites fléchettes assez fines et tranchantes comme des rasoirs. À voir. Pour le test à la 22, on m'a prêté une 22. Et le test se feront avec des balles FMJ et subsonique. Donc un petit peu plus lourdes, mais plus lentes que les balles standards. Et étant donné qu'elles sont FMJ, elles devraient un peu plus pénétrer, au détriment des dégâts. Ok, donc alors niveau pénétration, on voit que déjà toute la flèche, enfin tout le carreau pardon, n'est pas rentré. Ok, alors lâchant la pointe, donc on a environ ça de pénétration dans du papier. D'ailleurs, truc marrant, c'est que ça a même un petit peu tordu la pointe. Donc pour ceux qui disent, ouais, mais l'avantage d'une arbalète, c'est que les carreaux, on les réutilise à l'infini. Non, juste non. Donc l'arbalète 130 livres déjà, alors déjà rien que quand tu tires on sent que c'est beaucoup plus puissant. Ensuite alors déjà toute la flèche a pénétré. Ouais ok, en fait elle a quasiment traversé jusqu'à la fin. Elle a traversé tout ça de papier, donc là vraiment c'est très très honorable. Par contre retirer les carreaux de là-dedans c'est vraiment vraiment la galère. Et là par contre encore une fois on voit que la pointe du carreau est un petit peu tordue. Et vu le prix des carreaux c'est vraiment chiant, donc à la rigueur n'en refaites pas le test chez vous. Mais voilà. En tout cas, j'ai vraiment pas envie de me le prendre, hein. C'est violent quand même. Donc, la 22 long rifle. Déjà, on voit que ça va pas traverser. C'est par contre. Par contre, bon, ça a arraché quand même pas mal de papier, hein. Je sais pas si vous voyez. Mais les dégâts, ils sont là quand même. Ok, donc ça a pénétré environ jusque ici. Donc, un petit peu moins bien que l'arbalète, j'ai envie de dire. Que la Adder à 130 livres. Mais j'ai quand même l'impression que ça fait un peu plus de dégâts. Hein. Après, bon, d'un côté, c'est que ça reste quand même juste une toute petite balle de 22 long rifle, qui là, c'est un peu écrasé, donc d'où les dégâts. Et de l'autre côté, bon, on a quand même tout un carreau avec des lames qui vous entrent dans le corps et qui restent dans votre corps. Ensuite, donc, prochaine cible, on va utiliser un gilet dit tactique. Donc, ça, c'est un Swiss Arm qui est vraiment, vraiment premier prix. Donc là, normalement, sur les passants molles et sur les scratchs, vous y mettez tout l'équipement que vous voulez, hein, les porte-chargeurs, les portes toky, pochettes de décharge, enfin bref, tout le bordel habituel. Et bon, le tissu est assez épais, donc on va voir si les arbalètes sont capables de transpercer ça. Je pense que oui, mais bon, on verra bien. Donc, résultat avec ma petite arbalète 35 livres. Alors déjà les deux ont traversé, ce qui est plutôt très très bon signe d'ailleurs. Et elles se sont plantées dans la cible derrière. Donc c'est assez encourageant. Parce que bon, que 35 livres. Que ça arrive à faire ça, c'est déjà pas mal. Bon après on n'en attend pas à moins, hein, surtout que ce sont des carreaux dits de chasse.
Bon, après, ça n'a pas pénétré non plus bien loin dans la cible, hein. J'arrive à les enlever assez facilement. Par contre, alors, truc sympa, c'est que hors caméra, j'en ai fait deux autres. Mais sur les 4 tirs, 3 ont pas la pointe qui ont été abîmées. Donc là, ils sont complètement intacts. Par contre, le quatrième, je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est quand même bien tordu. Alors, résultat de la Adder 130 livres. Donc, alors évidemment, c'est la petite à transpercer, celle-là aussi. Par contre, ça m'embête parce que ça. Oh putain, les ailettes du carreau. Enfin bon, tant pis, de toute façon, c'est le jeu du test. Mais du coup, déjà, ce qu'on voit, c'est que ça a pénétré beaucoup plus profondément. Ça a transpercé le gilet de part en part, on sait facile. Et aussi dans la cible, de manière beaucoup plus profonde. Hein. Parce que là où encore l'autre, j'ai pas trop galéré à enlever les carreaux, là, je sens que ça va être autre chose. Mais du coup, voilà, test validé. Bon, au final, ça va, les ailettes n'ont pas trop été abîmées, parce que l'avantage, c'est que ça a déjà creusé un peu un pré-trou, donc ça les a pas trop défoncés. Bon, sur le gilet, je vais pas faire le test à la 22 longs rifles, hein. Clairement, on sait que ça va passer. Donc maintenant, on va pouvoir passer au dernier test. Alors, prochaine zip, ça va être l'universel, les tests balistiques, c'est-à-dire les bouteilles d'eau. Sauf que j'ai mis exactement 4 couches de tissu, donc du tissu assez fin, devant. Tissu qui simule les vêtements. Résultat, arbalète 35 livres. Donc, ouais, j'en ai mis deux à côté parce que viser avec ce truc, c'est quelque chose. Hein. Et bah, ça a bien transpercé, hein, le tissu est bien mouillé. Le carreau a transpercé la bouteille d'eau de part en part, hein, bouteille d'eau neuve évidemment, de part en part et s'est planté dans la cible derrière. Donc, du coup, j'ai foutu de la flotte partout. Donc, bah, test validé, c'est pas mal. Pour être honnête, je pensais que ça qu'elle se serait arrêtée au milieu de la bouteille d'eau. Mais ok, bonne nouvelle. Alors, je pensais que je l'avais raté, mais en fait, non, c'est juste que le. Voilà. La Adder à 130 livres a transpercé de part en part les 4 couches de tissu, le scotch, la bouteille d'eau, et s'est plantée dans la cible comme si. Bah, en fait, comme s'il n'y avait rien. Comme s'il n'y avait rien. Donc maintenant, on va faire le test à 22 longs rifles, juste pour comparer un petit peu. D'ailleurs, niveau comparatif des dégâts derrière, la 22 longs rifles a quand même bien ouvert la bouteille. Hein. C'est quand même du bon dégât. La petite 35 livres a fait une incision ici. Donc, bon, clairement, j'ai pas envie de me la prendre, mais bon, c'est quand même beaucoup moins impressionnant que de la 22. L'arbalète 130 livres a fait à peu près la même incision ici que l'autre arbalète. Bon, elle était dans le scotch, donc ça se voyait beaucoup moins. Mais ouais. Bon, je rappelle quand même que les dégâts sur des bouteilles d'eau et autres cibles, ça n'a absolument rien à voir avec les dégâts sur un vrai corps humain. Ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que la balle de 22 longs rifles va faire un petit trou avec une petite balle et que les carreaux d'arbalète, eux, vont déchirer beaucoup plus de tissu grâce à leur lame et donc vont créer plus d'hémorragie. Et dans les faits, un carreau d'arbalète est plus dangereux qu'une balle de 22 longs rifles prise à cette distance. Le débat ici, c'est absolument pas le débat 22 longs rifles contre arbalète, parce que clairement l'arbalète serait perdante sur quasiment tous les points, mais simplement un pur comparatif de dégâts à 5 mètres sur différentes cibles. Donc du coup, pour conclure, bah, en fait, il n'y a pas vraiment de conclusion, hein. Vous avez vu vous-même, à vous de voir si pour vous c'est assez puissant ou pas assez puissant. Personnellement, je pensais vraiment que 35 livres, ce serait beaucoup plus faible que ça. Au final, bah, je suis assez satisfait, ça reste pas mal. Surtout vu la compacité, sa légèreté et le fait qu'on, bah, en fait, elle se recharge très vite. Par contre, c'est vrai que pour de l'entraînement, je vous déconseille très clairement d'utiliser des carreaux de chasse comme ça. Surtout que j'ai tiré vraiment très très proche, hein. J'étais à 3 mètres des cibles. Et bah, en fait, ça les a un peu défoncés, ça a abîmé les ailettes. J'ai quelques carreaux qui sont éclatés. Donc vraiment, pour l'entraînement chez vous sur cible, utilisez les carreaux standards. Et sur ce, bah, enfin.